Mes chers amis, aujourd'hui nous avons un très beau verset à étudier. Voyez, c'est Ésaïe 43, 26. Rappelle-toi à mon souvenir. On a quatre divisions. Ensemble, entrons en jugement. Seconde. Troisième, parle toi-même, virgule, pour te justifier. Qu'est-ce que c'est cela? Cela ici, c'est l'audience que Dieu désire que vous fassiez en sa présence. Si vous avez été conduit par quelqu'un en jugement, ou vous conduisez quelqu'un, cherchez à rappeler à Dieu qui vous êtes. Et à ce moment-là, vous, oui, entrez ensemble avec lui, ne lui ordonnez pas d'aller ni de rester loin. Alors, vous allez présenter vos raisons, vous serez justifié. C'est ce que dit le verset. On va maintenant voir ce témoignage. J'avais tellement mal. Vous aviez très mal. Cela fait 3 ans que je ne sers à rien. De fortes douleurs dans le corps. Comment vous marchiez avec ce mal? Il y a des jours où je n'arrive pas à monter les marches de l'escalier. Je sais, mais maintenant... Maintenant, je vais bien. Loué soit Dieu. Et donc maintenant, marchez bien ici, au nom de Jésus. Allez, ma sœur, voyez ça. Voyez quelle bonne chose, mes amis. Voyez donc, à Nadir, allez monter les marches ici. Venez monter les marches. Elle ne supporte pas de monter les marches de sa maison. Venez, venez ma sœur. Venez ma sœur. Venez au nom de Jésus. Venez au nom de Jésus. Sans peur. C'est ça, sans peur. Venez sans peur. Montrez. Montrez comment vous marchiez avant. Je ne marchais quasiment pas, pasteur. Je devais marcher comme cela l'autre jour chez moi. À présent, marche normalement. On va tous faire le tour. À présent, je prie pour vous. Père, au nom de Jésus, j'ai le plaisir de prier pour cette personne qui, Dieu, a pris des révélations simples de cette parole du Seigneur. Et elle va être vainqueur. Je vais maintenant la bénir. Comme ministre, à parole de Dieu, j'ordonne mal. Sors de cette vie, au nom de Jésus. Dieu vous bénisse.